Les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On est parti. Attendez. Pour ce tout nouvel épisode. On est devant l'entrée de l'antre de Jabu Jabu. Donc je vous rappelle que voilà, il y a une faille. Et que du coup, Jabu Jabu est totalement hors de contrôle. Parce qu'apparemment, il pète un câble parce qu'il ne peut plus entrer dans son antre. Si je comprends. On va aller voir tout de suite. On perd pas de temps. C'est parti! Repère du grand Jabu Jabu. Alors. Non, pas sûr. Je devrais pouvoir créer une entrée dans la faille plus au fond. Zelda, allons-y. Oula, la faille a tout englouti. Bonjour. Hein? On dirait qu'on a la visite. On dirait les tout premiers Zora. Toi aussi, t'es venu voir ce qui se passe? Parce que tu t'inquiètes pour le grand Jabu Jabu? Le grand Jabu Jabu est devenu fou depuis qu'une faille s'est ouverte dans sa tanière. On était inquiet à son sujet, alors on est venu ici pour évaluer la situation. Comment ça? Tu veux aller derrière cette porte? Pour ouvrir cette porte, il faut que les deux clés du peuple des riverains et du peuple des mers jouent de la musique ici et en même temps. C'est nous. Ah, ok, donc il y a deux types de Zora, ok. Donc ils ont fait revenir l'ancien type de Zora. Ok. Ça, c'est nous. Les Zora des rivières. Si tu remontes la rivière vers le nord en sortant d'ici, tu trouveras notre domaine. Tu devrais y aller. Ah, tu devrais aller y faire un tour, ok? Et le peuple des mers. C'est les Zora des mers. Comme leur nom l'indique. Ils vivent dans la mer. Le domaine Zora marin se trouve au sud d'ici, au large de la côte, sur une île avec une espèce de cul de poisson. Ok, donc nous on a vu les Zora des mers. Si tu veux que nos chefs jouent de la musique, il va falloir leur demander. Ils sont chacun dans leur domaine. Ok. Ils ont l'air pressés. Ok. Ok, donc du coup, on a vu le domaine Zora des mers. Mais on n'a pas vu Putain, et j'ai du mal aujourd'hui. On n'a pas vu les Zora des rivières. Ok. Donc, domaine Zora, marin, c'est là. Et Zora des rivières. Ils sont où? Non. Ils sont où les auras des rivières? Attendez. Redis-moi où sont les auras des rivières, s'il te plaît. Si tu remontes la rivière vers le nord, ok. Ok, bon, bah, on va aller voir le. Étant donné qu'on a déjà été au domaine des Zora des mers, on va aller au domaine des Zora des rivières. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une bonne idée. Ok, donc, par là. Par là. Ok. Ouais.
Comment est-ce que... Oula, comment est-ce que j'y vais? Bonne question. Oh, attendez, il y a une grotte là. On va aller voir là. Du moins, si on peut. On peut. Comme il y a quand même une grosse faille. Tac. Ok. Il tarie. Ni trop poisson. Ouais, enfin, c'est un poisson. Un poisson à retardement, quoi. Ça marche pas. Si je fais ça, ça marche. Tac. Aïe. Je peux vraiment pas passer là? Si. C'est la perspective qui est un peu chelou, mais ça passe. Ok, on peut descendre ici. Allô, oula. Non. Ça. Tac, il dégage. Ah mais il est pas dessus là. Et non. Ah si. Ok, je crois que j'ai compris. Ici on met ça. Voilà. Ok, parfait. Attention. Excusez-moi. On fait péter. C'est relou à placer. Oh. Oh. C'est bon. Bah. Voilà, c'est bon. Ok, c'est ouvert. On est parti. Ok. Voilà. Oh oh. Oh, je me suis trop enfermé. Parfait. Oh, bah, décidément, ça a du mal aujourd'hui. Ok, donc ça, on peut la prendre. Oh. Ah, attendez. Est-ce que vous pensez que ça... Oh, mais le problème, c'est que je peux pas... Non.
J'en ai assez ou pas? Mais non. Qu'est-ce? Comment j'obtiens celui-là? Dis-moi que ça marche. Dis-moi que ça marche. Yes, aïe. Tout ça pour un œuf. Un petit œuf en or. Pas un œuf en chocolat, mais bon. On va s'en contenter, hein. Ok. Ok, donc toute cette grotte n'était rien que pour un œuf en... Pour un œuf en or. Ok. Oh, ok. Et on est arrivé au domaine Zora des fluviales, enfin des rivières. Parfait. Ok, donc là on a la boutique. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Vas-y. Des palmes. Attendez, on a quoi là? Réduction des dommages. On va s'équiper les palmes pour le moment. Même là, j'ai l'impression qu'on va plus vite. C'est qu'une impression. Ok. Tes amis ne savent pas nager, je ne suis pas le seul à le savoir, j'aimerais bien m'entraîner mais j'ai peur de l'eau. Super. Ah, tu as peur de l'eau toi? Mince. C'est dommage pour la Zora. Je sais pas si je préfère les Zora des rivières ou les Zora des mers. C'est vrai qu'ils sont mignons les Zora aussi des rivières. Attendez, il y avait un truc là. Non, vraiment. Ok. J'aime beaucoup en tout cas leur petit village. Je vais participer à la représentation moi aussi. Mais Daddy dit que... Que c'est pas pour les grands et que c'est pour les grands et que je dois attendre encore un peu. C'est notre chef. Il habite au bout du chemin. Il paraît que les représentations c'est des cérémonies sacrées et que les alvins, ok, alvins, comme moi, on a le droit, on a que le droit de regarder. Ok, bon, bah tu vas regarder. Ok, donc il est là, chef. Ok. Bonjour. Boss. Entre le grand Jabou-Jabou qui est devenu fou et cette faille qui s'est ouverte sans prévenir, tout le monde est terrifié au domaine. Pas de panique. Moi, grande trad, je vais arranger tout ça. Tout d'abord, il faut calmer le grand Jabou-Jabou. Excellente idée, Drad. Comme toujours. Comment on va s'y prendre? Eh bien, on va lui offrir un super morceau de musique. Il sera tellement épaté qu'il en oubliera sa colère direct. Paf, d'un coup. Et Tusha sera bien obligé d'admettre que ma musique est géniale. Drad, tu es toujours fâché avec le chef du peuple des mers? D'habitude, vous vous réconciliez tout de suite, mais cette fois, on dirait que ça dure. Elle s'est moquée de ma musique. Il n'y a pas moyen que je me réconcilie avec elle. Oh là là.
Ok, donc va falloir qu'on essaye de les faire se réconcilier d'abord. Oh là là! Oh là là, les relous! Ah! Je peux pas réussir à rien faire. Inawa, en route. T'es qui toi? Bah, de toute façon, j'ai pas le temps. Si tu veux quelque chose, ça devrait attendre. Tu voulais parler à Drade? Il se passe tellement de choses en ce moment qu'il est débordé, comme tu peux le voir. Et pour ne rien arranger, il est fâché, comme jamais, avec le chef du peuple des mers. Leur querelle a commencé par des broutilles, mais maintenant, ils se supportent vraiment plus. Ah, pourtant, ils s'entendaient si bien avant. C'est vraiment dommage. Inawa, qu'est-ce que tu fais? Direction la place de l'estuaire et que ça saute. J'arrive. Bon, ben, je dois te laisser. Désolé, au revoir. Super. C'est quoi une querelle? Je suis pas sûr de comprendre, mais il ne voulait pas nous écouter. On ne pourra pas se rendre dans la faille. Moi aussi. Monsieur. Ok, donc. Oh, attendez, il y a un coffre là. Tac. 20 rubis. Ok, ici, on a quelque chose. Si toutefois je m'étais pas planté de côté. On sort TP là-haut? On va sortir TP là-haut et puis on va voir. Tac. Ici. Qu'est-ce qu'on a? Un bloc qui tourne. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ça, c'est pas compliqué. Allez, viens. Petit cube. Tac. Parfait. Ça, c'était pas compliqué. Tac. Parce que c'était que la première épreuve. Ok, donc là, on va juste falloir faire des sauts en plus. On a fait là. Oh. C'est dur. Un peu. Ok, reste là. Là, il est pas évident celui-là.
Tiens, je peux l'avoir. Mince. D'accord, que de là, je peux... Ah, je peux peut-être attendre, en fait, de là. C'est bon. Ok, ça va, finalement, c'est pas... ce qu'il y a de plus compliqué. Fallait juste reprendre le mettre un petit peu devant nous. Oula. Non, ok, j'ai compris. Et si on faisait l'inverse? Si on faisait ça? On suit le mouvement. Quoi? Voilà. Et on obtient un coffre. Parfait. Et attendez, parce que... la place de l'estuaire. Place de l'estuaire, ok, c'est là. Ok, c'est là. Bah, c'est là où il y a... où il y a Jabou Jabou. Mais attendez. Bah, du coup, faut qu'on aille voir... faut qu'on aille ici. Faut qu'on aille voir l'autre... l'autre peuple Zora, et aller leur demander la même chose. Et tout l'entrée là-bas. Hola, bonjour. Bonjour, bonjour. Depuis que cette faille est ouverte, le grand Jabou Jabou est dans une sueur terrible. La situation est grave. Le grand Jabou Jabou est... et notre espoir protecteur à nous les Zora. Il est notre devoir de l'apaiser. N'aie aucune inquiétude, moi, Kusha, chef du peuple des mers, m'engage à résoudre dès à présent cette situation sans précédent. J'attendais que vous prononciez ces mots. Et comment allez-vous vous y prendre? Le grand Jabou Jabou apprécie notre musique. Si nous pouvions... la lui faire écouter, je suis sûr que cela aurait un effet. Et ainsi, Drad n'aurait aucun autre choix que de s'incliner devant mon talon. La querelle qui vous oppose semble en effet se prolonger plus qu'à l'accoutumée. Il va falloir s'y faire, je ne lui adresserai plus jamais la parole. Ce rustre a osé se moquer de ma musique. Et je ne veux même plus voir son visage. Ok, donc chacun accuse l'autre en plus. Maintenant que j'y pense, il n'a toujours fait que me provoquer. Tout ça parce qu'il ne veut pas admettre que je joue mieux que lui. Quoi qu'il en soit, Rogma, nous devons nous mettre en chemin sur le champ. En route sur le champ, pardon. Tiens, vous êtes un Ilien? Pardonnez-moi. Mais je suis pressé, cela devrait attendre. Donc là aussi les Zora. Les Zora des mers. Vous voulez parler à ma maîtresse, madame? Malheureusement, j'ai bien peur qu'elle n'ait pas le temps à vous accorder tant qu'elle n'aura pas résolu la crise qui affecte notre belle région.
Il se trouve que cette crise que nous traversons est amplifiée par le différend qui oppose ma maîtresse au chef du peuple des rivières. D'ordinaire, ils se réconcilient assez vite, mais cette fois-ci, leur querelle s'éternise. On dit parfois qu'il n'y a pas d'amitié solide sans quelques bonnes disputes. Remarquez, pardonnez-moi de vous déranger avec cela. Rogma, qu'est-ce que tu fais? Nous devons nous rendre à la place de l'estuaire. J'arrive tout de suite. Bien, je vous laisse. Ils sont partis à la place de l'estuaire eux aussi. On ferait peut-être bien de les suivre. Ok, bon, on va à la place de l'estuaire. J'ai compris. Parfait. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je m'occupe du grand Jabou, alors tu peux rentrer chez toi. J'allais te dire exactement la même chose. Grrr. Oh, Kucha, répète un peu pour voir. Je dis que c'est nous qui allons apaiser la colère du grand Jabou. N'importe quoi, c'est nous qui allons l'apaiser, qui l'apaiserons. Oh là là, il a fallu qu'ils tombent l'un sur l'autre. Ils sont vraiment sur le point d'exploser, ça va mal finir. Comme si ta musique grossière pouvait apaiser, c'est moi qui calmerai le grand Jabou. Ah, ça y est, tu recommences, tu insultes ma musique. Si tu veux jouer à ça, laisse-moi te dire que c'est certainement pas tes petites notes toutes faiblardes qui vont nous tirer d'affaire. Comment ça? Nous t'avons jamais appris que certaines choses ne se disent pas? Très bien. Si tu te crois si talentueux, nous devrons nous avons qu'à départager nos deux musiques ici et maintenant, pour en avoir le cœur net. Mais oui, comme tu voudras. On commence à jouer à 3 et que le meilleur gagne. Comment? Vous allez jouer ensemble dans une situation pareille? Si je puis me permettre, vu votre état d'esprit actuel, je doute fort que vous puissiez offrir une prestation à la hauteur de vos ambitions. Ça ne sert à rien. Quand ils sont comme ça, c'est impossible de les arrêter. Et c'est comme ça qu'ils vont apaiser le grand Jabou, non? Non, parce que les nôtres s'opposent. Quelle horrible cacophonie. C'était pas du tout synchro. Le grand Jabou. C'est ma musique. C'est pour ma musique que vous vous êtes déplacé, n'est-ce pas? Mes performances étaient-elles à votre goût? Quelle question. La mienne était bien meilleure. Veux-tu te taire? Voilà, merci Jabou. Hein? Drad, attention, éloigne-toi. Dame Cusa. Reculez, je vous en prie. Non! Il a mangé les petits! Voilà, comme ça va peut-être calmer les grands. C'est horrible. Bon, il les a juste avalés. Ils se sont fait avaler. Ce n'est pas le moment de se lamenter.
Il faut que je rattrape le grand Jabu Jabu pour sauver Rogma. Hé, c'est de la triche. Je ne vais pas te laisser... Je vais pas te laisser me doubler. Je vais... putain, j'y arrive pas. J'ai du mal aujourd'hui. Je ne vais pas te laisser me doubler comme ça, je te préviens. Ce n'est pas un jeu, enfin. Nos compagnons sont en danger. Essaye de me rattraper si tu peux. Hé, hey, c'est toi qui triche. Ouais, enfin, super. C'est pas un jeu, c'est... Oh là là. Ah, si seulement il voulait bien nous écouter. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont nous ouvrir la porte. Quel bazar. Le grand Jabu Jabu a remonté la rivière. Vous croyez qu'il se dirige vers le domaine d'Aura Fluviale? Notre domaine est bien par là, en effet. J'ai un très mauvais pressentiment. Domaine d'Aura Fluviale, pardon. Bah, non, il se dirige vers son père. Je pense. Je pense qu'il va à son repère. Ou alors il va démolir les deux domaines. Ok, donc il est pas là. Où est-ce qu'il peut être? J'ai pas le temps de jouer avec vous. Et j'ai pas l'envie surtout. Pas que ça à faire. Hein. Oh oh. Drad. C'est la voix du chef des Auras des Rivières. Ça vient de par là-bas. Oula. Qu'est-ce que vous avez foutu? Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, attendez. Il y a un endroit, là. Ah, on peut passer par là, ok. Je savais même pas. J'avais même pas vu. Ok. Ok, mais j'avais jamais vu son roman. Ok, donc on est à l'entrée d'une première faille. Sniff, papa Drad. Ne t'en fais pas. Je vais les aider. Je me demande bien ce qui se passe. Oh, je vous reconnais, vous. Drad a poursuivi le grand Jabu Jabu jusqu'ici, mais... Le grand Jabu Jabu était complètement fou. Il a envoyé valser mon papa et... Il s'est fait engloutir par la faille. C'est à ce moment que je suis arrivé, juste après. La faille s'est étendue soudainement et... Drad s'est fait engloutir en protégeant cette petite. Ok. Le grand Jabu Jabu est parti, mais... Drad, pardon. Bon. Bah vous savez quoi? L'épisode est quand même assez long, mine de rien. On fera ça, du coup, la prochaine fois. Voilà. Oula. J'ai fait tomber mon casque. Super. Un génie de ce monde. Les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Si il vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Bon, on est un petit peu plus court que les précédents. Mais bon, je suis... Pour ne rien vous cacher, j'ai un rendez-vous juste après. Donc bon. Si il vous a quand même plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne et la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir. Et pourquoi pas s'abonner. Merci à tous. C'était pas. Rendez-vous très bientôt. Salut tout le monde. Ciao ciao. Bye bye tout le monde. Salut. Allez, salut tout le monde. Bye.